Polka. Chaque photo a son histoire. Chaque mercredi, avec l'équipe de Polka Magazine, on décrypte une photo qui a fait l'actualité. Et aujourd'hui, avec vous, Dimitri Beck, on revient sur une image des événements qui ont secoué la Géorgie. Une femme et tout un groupe de manifestants s'agrippent à un drapeau européen. Sur une séquence vidéo de cette scène diffusée par l'agence France Presse, on voit d'abord la femme seule, avec son drapeau refoulé par un puissant jet d'un canon à eau. On la voit trébucher, projetée au sol. Un autre manifestant l'aide à se relever, d'autres les rejoignent aussitôt et ensemble, ils brandissent et agitent à bout de bras la bannière bleue aux étoiles jaunes. Des dizaines d'autres manifestants sont à leur côté en arrière-plan. Certains lèvent les bras en l'air pour défier les forces de l'ordre. Tous dans ce brouhaha de chants et de slogans sur fond de l'ode à la joie de Beethoven, l'hymne européen. La scène de l'érection du drapeau est intense. Elle nous évoque de nombreuses icônes de la photographie, comme celle du drapeau américain hissé par de soldats lors de la bataille d'Iwo Jiwa dans le Pacifique. Mais là, la comparaison, elle s'arrête là. Ici, la bataille est populaire et politique. Des milliers de manifestants se sont réunis la semaine passée près du Parlement à Tbilissi, la capitale de la Géorgie. La foule s'est opposée au projet de loi dit des agents étrangers adopté le même jour en première lecture. Une loi liberticide similaire à celle en Russie. Cette loi prévoit que tout organisme recevant plus de 20% de ses financements de l'étranger soit contraint à s'inscrire sur un registre des agents d'influence étrangère. Les médias et les ONG sont directement la cible de cette loi liberticide. Il faut rappeler que la petite république de Géorgie aux confins de l'Europe avec ses 4 millions d'habitants est un satellite de la grande Russie voisine. Et donc, c'est un précaré de Moscou. Ce qui n'est pas pour plaire à la majorité des Géorgiens qui, eux, cherchent tant bien que mal à s'émanciper du pouvoir russe. Et évidemment, c'est une situation qui nous rappelle quelque chose. Rappelez-vous lors Maïdan au cœur de Kiev en Ukraine en 2014. Le mouvement européen s'opposait au régime qui était pro-russe à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est un peu la même chose qui se joue en Géorgie. D'ailleurs, le président ukrainien Zelensky a dit, à la vue de ces images, vouloir souhaiter le succès démocratique. La rue géorgienne a donc fait plier le gouvernement proche du Kremlin et la loi Poutine a été finalement rejetée au Parlement depuis. Alors, la Géorgie, est-ce l'autre Ukraine? Tbilissi, Kiev, même combat. Cela semble le sens de l'histoire, en image en tout cas. Polka. Chaque photo a son histoire.